Bon, voilà. Donc, après avoir terminé la construction du Going Merry en plastique avec les autocollants d'origine qui va avec le kit, c'est assez moche en fait les autocollants parce que ils ont tendance à partir, comme par exemple ici, l'autocollant commence à se détacher. Et en plus, il y a des pliures, des froissements un peu partout, ou du décollage de couleurs et de l'autocollant lui-même qui se décolle ou qui est mal collé par rapport au relief du navire. Voilà, celui-là qui colle pas bien. Donc, je vais mettre des points de colle super puissants, instantané pour les maintenir tous ces pièces parce que ça n'arrête pas de casser la gueule. Donc voilà, ici c'est d'origine, donc tous avec des autocollants, tous les dizaines c'est avec les autocollants d'origine qui va avec le kit, donc je vais éviter pour les prochains navires parce que je voulais laisser le premier navire pour l'anniversaire de Going Merry, 20e anniversaire. Je voulais le laisser original, la couleur, le design, tout ça. À partir de là, j'ai pensé pour les prochains navires, je vais les peindre. C'est juste cette version que je laisse d'origine, sans peinture, rien du tout. Je voulais garder le côté vieillot, comme disait en France, qu'on est clochard là, vintage. Parce qu'on n'a plus les moyens pour se permettre de payer des trucs, tout a augmenté. Du coup, on appelle ça vintage ou bio. Voilà, écologie bio, tout ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai commandé. On va faire la place. Du coup, j'ai commandé un carré. Voilà. Vous entendez? Il y a des lingots dedans. Non, en fait, il y a des billets. Donc, j'ai coupé déjà ici pour faciliter le déballage. Et on va découvrir ensemble c'est quoi ce lingot de billets qui n'arrête pas de faire du bruit. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai commandé les feutres. En fait, c'est de la peinture à l'huile parce que la peinture normale acrylique à l'eau, tout ça fonctionne pas sur le plastique ni le métal. Donc, j'ai commandé la version à l'huile. Là, c'est écrit ici en anglais d'ailleurs. Make on anything white base. Donc, à l'huile, je vais ouvrir. Ça évite d'avoir des reflets avec le plastique, le film plastique de protection. Donc, je vais retirer tout de suite ce film plastique qui gêne énormément pour filmer parce que ça fait des reflets et des reliefs, des brillants sur la vidéo. Voilà. Donc, du coup, c'est un kit de feutre marqueur, marqueur. Donc, à la place d'utiliser des pinceaux et de la peinture, donc on utilise un feutre à peinture. Donc, 54 pièces, j'ai pris le maximum par rapport à l'offre du magasin. Normalement, je voulais du 84, je crois que c'est du 84 ou 86. C'est le vraiment maximum. Mais là, dans cette option, cette version, il y a juste 54 pièces seulement. C'est du 2 mm d'épaisseur, la pointe. 2.0 à 2.8. Donc, il y a deux tailles différentes, apparemment. GS. Donc,
Donc, je découvre en même temps que vous. Donc, pour utiliser la feutre à l'huile de peinture, secouez le stylo, appuyez sur la pointe du stylo, secouez, appuyez, ce qui explique les billes, la bille à l'intérieur du stylo, c'est pour pouvoir mélanger la peinture à l'huile et appuyer pour dessiner, pressing. Donc voilà. Donc, je vais chercher. Ah, c'est ici. Et voici les 54. Et il n'y a pas de trucs de rangement dans la boîte. Voilà. Donc c'est en métal. Ce n'est pas du plastique, c'est du métal. En fait, c'est des mini tubes de peinture, des pompes à peinture pour le graffiti. Et là, sauf que là, ils ont une pointe de stylo. Donc, la bille en métal qui fait le mélange de la peinture à l'huile. Et normalement, il faut appuyer, il faut ouvrir d'abord et appuyer. Donc, ce que je fais, je prends, on va voir les couleurs. Plusieurs teintes de couleur verte. Voilà. Orange, pareil, plusieurs teintes. Jaune. J'ai trois teintes à chaque fois, je pense. Voilà. Là, j'ai quatre. Ouais, c'est comme ça. Du rouge orangé. Donc, je vais vous dire pourquoi j'ai acheté cette feutre. C'est pour pouvoir peindre sur le plastique les prochains maquettes. Pour les prochains maquettes en plastique ou en métal. Et du coup, comme vous pouvez voir, on va zoomer. Là, l'arbre, le clémentinier de Nami sur le bateau de Going Merry. Et ben, sur l'image du vendeur, dont le bateau est magnifique avec les clémentiniers, des taches, des petits points de clémentinier. Ben, sauf qu'ici, il n'y en a pas. Et il n'y a pas non plus en autocollant pour le coller. Donc, ce qui explique que j'ai choisi d'acheter de la peinture à l'huile pour le plastique. Donc, afin de colorer, juste mettre quelques points de couleur d'oranger pour les clémentines. Voilà, c'est à cause de ça. Et surtout, pour les prochains bateaux, je ne veux plus utiliser des autocollants. Je veux repeindre directement avec les feutres sur, par exemple, la voile triangulaire. On appelle ça un triangle, je crois. La voile triangle, ça s'appelle triangle, normalement. Et ici, par exemple, je pensais repeindre par-dessus les traits pour le design et tout ça. Donc, au lieu d'utiliser des autocollants qui décollent au bout d'un certain temps, comme ici, qui se décollent ou qui se déchirent ou qui perdent la couleur. Voilà. Du coup, j'ai décidé de peindre les prochaines maquettes. Donc, je vais faire la place et je vais peindre l'arbre. Donc, du coup, je débarrasse. Donc, ce qu'il me faut, c'est couleur orangée. Les deux. On va l'ouvrir.
On va secouer celui-là. Là-bas, les deux. Et je vais retirer le voile pour faciliter le travail. Donc, je n'ai pas collé avec la super glue pour ce qui tient bien d'origine déjà. Donc je ne les colle pas, je les laisse. Sauf ici, ça ne maintient pas du tout. Dès qu'on le touche, même si on ne touche pas, il se décroche. Cela. Donc j'ai mis deux points de colle. En plus, j'ai le filet qui est passé par-dessus. C'est pourquoi j'ai mis la colle là, sur les deux côtés. Ah oui, je suis bête. J'aurais dû faire ça. Cerf-volant. Ça s'appelle du cerf-volant. J'aurais dû penser avant. Voilà. Du coup, je vais peindre comme ça. Donc, on va mettre des petits points sur le clémentinier. Donc, secouer, disait-il. Après, là, on voit que c'est pas encore utilisé. Ce qui explique le pinceau, le feutre. C'est tout sec, sans couleur. Bon, avec lui, on va appuyer. Pour faire descendre la peinture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, voilà. Ça commence à descendre. En fait, il faut faire comme ça. Pour que ça descende. Voilà. Là, on voit que ça ressort. Là, du coup, on va mettre des points. On va zoomer encore pour voir les détails. Par contre, le séchage, je ne sais pas, ça prend combien de temps. Donc, il faut chauffer une partie de bois. Pour qu'il sèche, sinon dès que je touche dessus, ça va salir à nouveau. Par contre, il n'est pas assez rond, je le fais en longueur. En longueur, c'est pas beau. Il faut faire en rond. Un crayon, voilà. Un crayon. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça fait pas très de mon jaune. Bon, celui-là c'est bon. Je vais changer de couleur. Donc, celui-là un peu plus orangé rouge. Secoué. Donc, jamais utilisé le pinceau. Et pour faire descendre la peinture, là ça commence à sortir. Ah oui, j'ai oublié de toucher. Du coup, ah oui, c'est déjà sec. Ça colle quand même un peu. Je vois quand même. Non, c'est pas mal du tout. Ça commence déjà à sécher, mais ça reste encore collante. Ah oui, c'est beaucoup mieux celui-là pour le côté orange. Ouais, ça ressemble beaucoup plus. Ouais, c'est magnifique. Je sais pas si on voit net. Focus. Ouais. C'est pas mal du tout, ça coule pas. Et ça sèche assez rapidement. Bon, assez rapide, c'est pas super rapide, mais... Bon, voilà, premier sapin Noël avec ses boules. Voilà, ok, on y va pour le prochain.
Et le dernier. Au sommet, allez. Soyons fous. Comme des ananas, chauffés en spirale. On va laisser ça sécher 5-10 minutes. Et je vais voir si il est fait. Du coup, je voulais peindre aussi le contour. Bon, on va laisser original. C'est juste le sapin. Oh, le sapin. Donc, je vais faire un test sur l'autre partie. Donc, je vais remettre en place. Ok, voilà, c'est très bon. Voilà. Malgré que j'ai tenu en main, au bout de 5 minutes, la couleur, la peinture restait sans être diffuse, c'est-à-dire qu'il ne s'étale pas sur. Qui s'étale pas vers d'autres parties avec le toucher, donc c'est à dire qu'il est assez sec pour pouvoir le manipuler à la main. Donc je remets le triangle, le voile triangulaire en place. Je referme le filet, l'encre, je vais rouler un peu la corde ciré, ici c'est la corde cirée pour coudre les chaussures. Il est un peu rigide, souple et rigide en même temps, ce qui explique à chaque fois il revient à sa forme d'origine un peu. C'est bon, le support on fait tenir. Voici, c'est imperméable en plus. Donc voilà. Donc je vais cette fois, je vais retirer. Je vais toucher avec la main et écraser pour faire sortir la couleur. Donc on voit au départ la couleur. Zoom. La couleur, c'est comme ça. Donc je vais écraser avec le doigt pour récupérer la couleur. Donc j'écrase assez fort pour faire partir la couleur. Et ça reste. Ça ne part pas.